Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 7 de Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Alors, on était à Hong Kong, attention. Ah oui, il y avait une cutscene assez importante. Donc, je vous la laisse. Fichtre. Ça commence bien. Ça a chargé le mauvais fichier. C'est après la cutscene, ça. Bon. Hong Kong. Voilà, ici. Je vous ai dit que vous étiez absolument ravissante dans cette robe. Oui, trois fois déjà. Vous vous répétez, Dr. Jones. Conservons des rapports professionnels. Voulez-vous? Alors, où est-il votre ami contrebandier? Wuhan m'a déjà aidé à plusieurs reprises. Il ne va pas tarder. Et il nous mènera au repère de Kai? Oui. Là-bas, nous trouvons les fragments de miroir et le Pa Cheng. Le Pa quoi? Votre arme ne vous suffira pas une fois dans le tombeau de l'empereur. Il y a plus dangereux que les nazis. Merveilleux. Quelque chose ne va pas. Attendez ici. Vous me laissez en plan. Merci. Tenez, de la part du monsieur de la loge numéro 2. Bon spectacle, Dr. Jones. Attention la baston là. Ah, ça rigole plus, on est contre des. On est contre des Chinois. Assez révoltés. Purée que. Ah, j'ai remarqué que le jeu avait souvent du mal au début à démarrer. Ça rame un petit peu. Voilà, ça a l'air d'aller maintenant. Oh, il faut que je prenne ça. Oh là là, ce finish! Mais nom de Dieu! Oups. Ok. Oh ça! Alors lui, il est complètement paumé. Arrête de faire tes acrobaties, ça sert à rien! Voilà. Le perfect, c'est juste tout dans les points et pas tout dans le, dans la gymnastique. Je ne sais pas trop comment dire. Alors ça c'est quoi ça? Ok, la manivelle elle sert à rien. Je sais lire le japonais, le chinois, je ne sais plus. Oh purée, il m'a fait peur lui. Des majordomes, comment ça se passe? Fiche. Okay. On combat des Sébastien de Black Butler. Prenez ça. Voilà. La skill. Bon, même si je suis un petit peu faiblard là, sans mon chapeau. Ah, c'est plus compliqué. Derrière, y'a rien.
Il me semble que c'était rendu à la partie 10 dans mon let's play sans commentaire. Medikit. Y a rien à faire. Sachant que comme d'habitude, Indy il a voyagé et il a paumé son medikit. Enfin, tous les medikits précédemment. Chopés précédemment, et du coup... Et du coup, on va en utiliser un pour la fille, parce que je pense que... Elle s'est fait pas mal bolosser, là. Donc, il faudra la soigner. Hop. Magnifique doublage. Potion d'invincibilité. Ah oui, on a des potions assez... des potions qui nous dopent, hein, tout simplement. Merde. On est dopé aux potions. Ah purée. Voilà, parfait. Voilà, les lags à la Breath of the Wild, là, ça y va. Tu vois, il y a peut-être trop de chinois, là. Ça bouge trop. Donc voilà, j'ai passé un peu trop vite la cutscene, mais en fait, il faut redescendre. Il n'y a rien à faire. On peut pas passer. C'est assez linéaire. J'ai ma petite gourde. Y a rien à faire. Ah. Y a rien à faire. J'ai réussi à pousser une porte sans mes mains. Ouh. En tout cas, ce lieu est sympa. Une espèce de scène de théâtre. Et version Hong Kong. Eh oui, donc nous sommes en Chine. Oh là là là. Il est fort lui. Ça c'est la méthode la plus radicale. Hop. C'est fail. On peut utiliser la potion d'invincibilité. Ça permet juste d'éteindre ainsi temporairement pendant, il me semble, 20 secondes. Et purée. Une vingtaine de secondes. On va l'utiliser vite fait. De toute façon, on l'aura plus après. Donc. Hop. Sauf qu'on se fait quand même toucher. Ah oui. Donc quelle utilité de cette potion? Peut-être qu'on perd moins de vie, on a une meilleure défense. Ouais, bof. Ça vaut pas vraiment le coup. Alors, les objets sont destructibles, et ça c'est bien. Chaise, table. Voilà, c'est vraiment un jeu pour Hooper. Il aurait dit que c'est une révolution. Oula, il y a des ennemis là. Non. Je me cache derrière. Évidemment, Indy était en train de se changer. Il fallait quand même qu'il mette son chapeau. C'est le strict minimum à faire. Même s'il l'a pas fait. Alors j'ai entendu quelqu'un, mais bon. On sait pas où il est. Bah, il s'est paumé. Hein. Ah, ok. Ok, c'est du sérieux là. Il est armé, lui. Enfin, il a une arme à feu. Voilà, on lui renvoie l'appareil. Parfait. Oh, medikit. Encore des balles.
Alors là, c'est beaucoup de fights hein, dans cet épisode, attention. Il va y avoir beaucoup de fights. Épique avec des musiques épiques, comme vous entendez, qui se terminent soudainement. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ah, ok. Hop. Ce jeu est très réaliste. Ah. Et on a déjà fini cette portion. Ouais, mais Hong Kong, c'est très très court. C'est pour ça que ça ne veut rien dire quand vous voyez le nombre de niveaux qu'il y a à faire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus courts que d'autres. Donc voilà, ils sont quand même plus costauds au niveau des mouvements et tout. Ils sont assez balèzes. Et j'ai l'impression que c'est moins des sacs HP que les maghrébins, là. Il y a plein de ça. Oh purée. Hop. On peut me soigner. Un coup de la gourde. Le medikit, c'est vraiment quand on est dans la mouise et en plein combat. Ok, il m'a vu. Alors que je suis pas quand même sorti de là. Enfin, il m'a peut-être entendu, voilà. Ce vieux bruitage. Oh! Allez, ok. En mode Dragon Pearl, je serais déjà mort. Quoique, il m'a tiré de loin, donc peut-être pas. C'est un fusil à pompe, c'est bien connu, c'est pas très efficace de loin. Ok, il est mort. Gloire et fortune, me voilà. Parfait. Alors, ils sont où, là? J'en ai entendu un. Ah. Surprise. Non, je ne peux pas ouvrir cette porte. Elle est trop pixelisée. Elle n'a pas été assez travaillée. Cette porte est un peu plus nette. Dr. Jones, je présume. Oui. Et vous, vous êtes qui? Je m'appelle Wuhan. J'avais rendez-vous avec Mehin. Eh bien, tu viens de la rater. C'est ce que j'ai cru comprendre. Montez, il faut faire vite. Tu n'as pas de voiture? Je suis pas sûr que ça marche. Regardez sous le siège. Voilà. Et là. C'est ça. Sinon, on est encore dans du indie, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, évidemment, nous sommes dans un jeu vidéo, donc du coup, forcément... Indie, il tue des millions de... des millions de gars, hein. Et si c'était un film, ça aurait été pas pareil, ce serait plus enfui. Ce qui serait plus logique. Attends, faut recharger. Bon, ces phases-là sont pas forcément très simples, faut faire attention. Ouais, ils sont pas là. Wuhan, tu es sûr que tu veux les semer? Alors, première phase finie. Voilà, alors Indy, il n'a pas d'arme. L'arme n'est pas modélisée comme ça, sauf en mode FPS. C'est très logique. Ah, je vais détruire ce véhicule. Voilà.
là là. Les coques vachement bien faites. Ouais, des... Voilà qui devrait égaliser nos chances. Voilà. On a récupéré toute une vie là, tiens. Ah purée. Enfin, les majordomes dans leur limousine là sont costauds. Bon, les petits motards là, c'est vite fait. Hop, faut surtout tuer le conducteur évidemment. Bon, c'est quand même assez répétitif. Hein. Je vous cache pas. J'avais des meilleurs souvenirs à l'époque. Peut-être que cette phase est un peu trop longue. Il faut surtout pas perdre. Hop. Ah purée. Ça. Ralenti, ralenti. Une carrosserie un peu trop luisante en bout de quand même. Ça fait bizarre. Bon, il y en a encore combien? Comment ça se passe? C'est la fin. Coupons par cette rue. Nous leur parons le chemin dans les docks. Ah non, c'est bon. Probablement à la forteresse de Kai, sur l'île de Panglai. Pas de temps à perdre. Où est ton bateau? Dans le dock d'à côté. Montez! Je préfère la marche. La forteresse de Kai est un vieux château, perché au sommet de l'île de Panglai. Évidemment, il n'y a pas d'ascenseur. Non, mais un téléphérique dessert les différents bâtiments de la forteresse. Ça devrait pas être difficile. Non, mais le problème, c'est que le téléphérique part d'une base sous-marine nazie. Ça m'aurait étonné. Bonne chance, je serai là à votre retour. Tu ne viens pas avec moi? À quoi bon retrouver Mei Ying si vous ne pouvez pas quitter l'île? Très juste. Ah. Hop, une machette. C'est fort utile contre les requins. Pour passer là. Vous montez là-dessus. Il faudrait quand même trouver des armes. Ah, par là-bas. Bon, attention au requin. Hein. Ah, je vais sans doute me faire avoir. Quoique. C'est bon, ça passe. Hop.
Réserve d'oxygène, ça c'est nickel. Une petite arme. Sauf que là, on n'a pas... Ah, on peut l'avoir de là, lui. Ah, mais je pense que eux, on peut les avoir avec la machette. Les requins, c'est un peu compliqué. On vaut mieux plutôt tuer les requins avec ça. Il y en a deux, il me semble. Ce que j'ai vu vite fait, là. Par où descendre pour pas se faire voir? Ah bah, il est là, lui. Ah bah, il est là, l'autre. Ah, je vais tomber. Ah, mais ils vont trop vite. Il est un peu loin. Et l'autre, on sait pas où il est. C'est un truc, faut surtout pas se faire choper par les requins parce que... on perd à donf de la vie. C'est ça le truc le plus stressant du jeu. On va voir où il est l'autre là. Ah, quelqu'un peut passer par là. Pas grand chose là. Ouais, bof. De toute façon, il peut y en avoir un là. Ça, c'est la technique. Ah voilà, il y en a un là. C'est avec 3 balles, c'est ça? Faut pas se rater. Ça, j'en ai 6. Et merde. Ah, purée. Un fichtre de fichtre. Bon. Il a été sympa. Ils sont où? Là. C'est quand même galère. Hein. Ah, c'est mieux les grenades. Mais je pense pas qu'il y en ait là. Purée! Il a senti le danger, il s'est barré. Bon, je sais pas s'il va venir lui. Allez, viens. Là, je le lock. Hein. Mais ça marche pas. Voilà. C'est un peu n'importe nawak, mais bon. Oh purée. Il m'a fait flipper. Bon, je n'ai plus de balles. C'est génial. Il faut en trouver ailleurs. C'est compliqué parce qu'en plus il y a les ennemis en bas. Bah, il va falloir que je m'en fasse un. Oh, la machette! Bon, coupe-le! Mais quelle technique! Bon, il est où le requin? On ne sait pas. Bon, je préfère remonter à la surface. On va voir ce qu'on peut voir. Alors. Ah. Il vient vers nous, ce petit fourbe. Bon, faut vraiment qu'il soit proche de moi. N'approchez pas aussi près d'un requin, les enfants. C'est bon. Oui, il meurt pas. Oui, c'est bon. Hop. C'est quand même un peu ridicule. Comme ça, on est vraiment plus tranquille. On a la conscience plus tranquille. Et je vais me faire celui-là. Oh, purée. Plein de ça! Qu'une balle. Heureusement que l'autre il m'avait fini 3 balles pile. Pile ce qu'il me fallait. Ah non, c'est très luisant. Hein. Le reflet, un peu bizarre. Ah voilà. Les explosifs.
on peut pas prendre d'autres explosifs. Ça veut dire que Indy, il sait que on en a besoin que d'un. Excusez-moi. Ce qui est très logique, hein. Il sait à l'avance ce qui va se passer. Alors, je reprends quand même un peu de respiration parce que on a beau avoir une bouteille d'oxygène, bon, on n'est pas non plus un poisson. Ah, là-bas, il y a peut-être des balles, des conneries. On va s'en choper, hein, Je vais le randonner, moi. On va en choper, c'est toujours ça de prix. Voilà. Alors, on sélectionne. C'est nickel. Des petits poissons. C'est vraiment fou. Il y en a énormément. Alors là, je vais faire attention parce qu'il y a peut-être un requin, non? Ah, bah on peut. Oulala, oulala, oulala. Il est violent, lui. Eh, mais. Il veut pas mourir. Ah, c'est bon. Ah, lui. Il est violent. Attention. C'est peut-être trop joué à GTA, on ne sait pas. Enfin, veut dire que moi, avec ma machette dans l'eau, je ne suis pas mieux. Oh putain! Oh fichtre! Mais nom d'une pipe! Bordel de fichtre, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, j'ai peur des requins. Surtout des requins pas très bien faits. Hop! Oh, il a bugué. Bon, le truc, c'est de ne pas tomber. Parce qu'il y a un requin. Je préfère quand même garder mes balles. Je sais que là-bas, il va y avoir un passage. Mais putain. Eh, mais c'est incroyable, ça. Pourquoi il s'accroche pas, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Indy? Alors là, tu passes, quand même. Allez, vas-y. Ouf, ce talent. Tu te roulades. Ça passe. Et purée. Le schnell. Je sors mon flingue. Parfait. Grâce au freeze, j'ai pu vous avoir. Mais fichtre, j'aurais dû prendre plus d'explosifs. Il va falloir maintenant que je fasse tout un détour. C'est trop bien fait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, purée. On sort. Aïe. Ça. Il n'a plus. Bon. Ah. Voilà. C'est bon. La musique de la victoire. Donc je suppose que c'est bon. Petit coup de la gourde. Oh.
fameux bruitage. Il y a une sorte de passage en haut de cette falaise. Et il n'y a pas d'ascenseur. Et il n'y a pas d'ascenseur, forcément. C'est la merde. Ces Allemands sont vraiment fous. Sors pas ton flingue, voilà. Personne. Non, je ne veux pas me battre avec une chaise dans la main. Ça fait un peu clochard. Il dit le clochard. Alors avant c'était le combattant de la rue, là, vas-y. Et maintenant c'est Indy le clochard. Il a tout vu, le pauvre. Dans le tombeau de l'empereur, il a tout vu. Harrison Ford, il a tout vu. Alors, il y a un mec qui respire à donf. Il est peut-être cardiaque. Hop. Parfait. Voilà. Et comment y accéder? Normalement, on est censé aller là-dessus. On peut monter sur ces plateformes. Ah, mais non, on vient d'arriver là. Donc comment? Peut-être descendre. Caméra se bug de partout. Ah oui. Peut-être passer par là. Je vais pouvoir sauter sur le toit. Je ne savais pas tellement que c'était ça, mais bon, soit. Attention aux requins, comme d'habitude. Hop, on va s'équiper. Et c'est bon. Alors, l'ombre magnifique, hein, sur... sur la texture. Ah, on la voit plus. Et là, ah, on la voit. Ah, on a un nouveau thème en fond. On va passer par là. J'ai pas bien vu. Je pense qu'il faut aller là-bas. Un sprint. On n'était pas déjà allé là? Bah si. En fait, on revient ici. C'est juste que... Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Ah non, c'est bon. Ouf. J'ai cru que j'allais glitcher, complètement glitcher le jeu. C'est bon. Oh ça, Adolia ! Bon, c'est un peu de la merde cette arme à terre. C'est vraiment utilisable mais sous l'eau. Je recharge. Oula, attention. Il y a un petit fourbe. Hop. Non, ça on peut pas détruire. On peut pas prendre la table. C'est bien dommage.
comme dirait Hooper. Eh, mais y a pas assez d'interaction avec les décors, c'est pas bien. C'est pas bien ça, monsieur de chez Lucasfilm, de chez LucasArts. C'est pas bien ça. Ah non, moi il m'exaspère avec cette phrase. Hein. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien ça, monsieur de chez Nintendo. C'est pas bien. Non, c'est un peu lourd. Ah, donc faut descendre ça, non. Bon, je dirais pas aussi lourd que Squeezie, mais quand même. Ça clash. Ah, bah, faut faire triangle. Non, Hooper, je trouve qu'il a pris, depuis ces derniers temps, je dirais depuis à peu près un an, il a pris de mauvaises habitudes. Il s'en rend pas compte, hein, il le dit lui-même, mais il a pris de mauvaises habitudes, comme l'histoire du C'est pas bien ça, ou alors... Ah, d'accord. Ah, mais ok, j'ai compris. Ça met mauvaise foi légendaire aussi, qui est encore plus prononcée qu'avant. Voilà. C'était les lives, je ne sais pas, qui font, qui parlent de, ainsi. Je ne sais pas. Alors déjà, à quoi ça sert, ça? Je suis paumé, comment on change la caméra là? Ah voilà. Ouais. On va être complètement à droite, je suppose. Voilà. Ouais, je sais pas, on verra. On va voir ça. Comme ça, si je saute dessus. On est bien d'accord que nous, on va aller là. C'est un peu compliqué d'y aller. Comme ça. Ouais, c'est compliqué. Une petite énigme. Qui me tue Lupine. Ah, on peut le descendre. Ah, donc on peut le monter. Forcément. Et je suppose que... Ah, là, on est bien. Je pense qu'on l'est, on est bien. On va pouvoir y aller. Alors, la phase qu'on va faire juste après, là, dans la base militaire, là, de Nazi... est vraiment sympa, je me souviens. Une sorte de phase d'infiltration où on pourra carrément se déguiser en colonel. En colonel nazi, et ça c'est beau. Et fichtre. Alors je ne sais pas pourquoi il est tombé, mais il est tombé. Bon, je vais me faire le requin pour le fun. Il est... Oh purée! Le fichtre! Le petit saligo. Tu ne mourras point par la tempête de Zeus. Salut. Ah là là. Ce requin a deux balles. Si je tombe plusieurs fois, je serai obligé de me le coltiner à chaque fois. Autant se le faire, non? Je sens qu'on va tomber plusieurs fois quand même. Ça va pas être facile. Peut-être descendre un poil le truc. Hein. Bon, on verra bien. C'est aussi prise de risque d'aller vers le requin et de l'attaquer avec l'arme. J'ai que 3 balles en plus. C'est un peu de jost. Sachant que des fois les balles partent dans le vide, on sait pas pourquoi. Donc c'est chaud. Oh purée. Il nous a fait du freestyle.
Ah voilà. Ah mais il descend à l'infini. Ah, comment on fait pour l'arrêter? C'est genre je fais ça. Ah non mais ça descend trop là. Là d'après ce que je vois on dirait qu'il est trop bas. Je n'ai pas raison. Ah oui bah là il est trop bas. Alors forcément que c'était ça mais c'est encore au poil de cacahuète. J'ai pas envie de dire de gros mots. Ça ne veut rien dire. C'est au poil de Fillon. Oh, le JPEG au loin du ciel est quand même assez propre. Contrairement à celui d'Istanbul. Hop, ça passe. Vous avez vu ça un peu? Mais la skill, bah la skill! Y'a rien à faire. La base militaire, sous-marine. Intéressant. Je fais toujours autant flipper avec mon ombre de Slenderman. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, et là, faut vraiment pas se faire voir. Oh. Attention, il y a personne derrière. Sinon, il y a pas mal de renforts, quoi. Après une magnifique coupure de une journée, eh ben nous reprenons ici, à la base militaire. Car oui, problème privé. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, c'est juste que je capturais une heure assez tardive et c'était pas très bien. Bon, on y va direct. De toute façon, on reprend direct ici, hein. Il y avait un checkpoint juste avant, donc c'est tranquille. Ouais. Ouais, j'y vais direct là, en fait. Ah, purée, il va pas vers l'alarme, toi. Imbécile! C'est fait. Et l'autre, il est où? Je suis allé trop vite, en fait. Il va venir par là. Quoi? Mais il a activé d'où son alarme là? Ce magnifique bug. Bon, ils sont où les autres? Ah, l'autre, bon. On va rentrer là-dedans. Attention. On va se les faire. C'est fait. Bingo. J'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est. Bon, je ne veux pas de cette chaise. Voilà, merci. Jouer une bouteille, c'est mieux. Oh purée. Oh, en fait, ça va quand ils mettent l'alarme. C'est vite fait. Oula, il est à côté d'une alarme, lui. C'est failli. Ah voilà, on y va en mode brutal. Hein. Oh purée, il y a ceux-là. Alors eux, c'est les pyromanes. Alors oui, j'ai des balles de mitrailleuse, mais j'ai pas de mitrailleuse. C'est un peu la dèche. Bon, je vais me faire. Oh, je l'ai touché, mais... Attention, oh purée, ils sont deux. Prends ça.
Voilà, par contre on peut pas choper leur lance-flamme. Et il y en avait un deuxième, j'ai l'impression. Non, bon. Je sais pas, il y avait un deuxième lance-flamme, c'était peut-être un bug. Il y en a encore, on en entend. Medicate. Ah purée. Boum. C'est bon. Voilà. T'as eu ça un peu, quel PGM. Un pro des jeux de baston. C'est parti complètement en live. Je ne suis plus aussi calme que la dernière fois que j'avais coupé. Avant j'étais en mode infiltration là, c'était très sérieux. Alors que là, on fonce dans le tas, voilà. À la Far Cry. Je suis quand même un petit peu gaffe. Petite gourde. Hop, purée, il me reste plus d'eau. Bon, on va utiliser un medikit comme ça pour pas prendre de risques. Hein. Hop, y a plus rien ici. C'est déjà fini? C'était rapide. Vous avez le troisième fragment de miroir, ce que je vois. Bien. L'alignement des étoiles est parfait. Nous célébrerons le rituel ce soir. Ne soyez pas trop pressé, Marshal Guy, ou quel que soit votre pseudonyme actuel. Nous n'avons pas réglé le problème de l'Américain. Jones, ce type que vous avez envoyé à Prague pour me voler le second fragment. Vous avez violé notre accord. C'est absurde. Si vous aviez une once de compétence, je me serais passé de Jones. En 2 semaines, il en a fait plus que vous en 2 ans. Surveillez vos paroles! Il vaudrait mieux pour vous. Oubliez-vous à qui vous parlez et qui je représente! C'est vous qui devriez surveiller vos paroles tant que vous resterez sur mon île. Je vous ai autorisé à construire ces installations en échange d'armes allemandes. Cela n'a rien à voir avec le cœur du dragon. Votre fureur aura le cœur du dragon quand je dominerai la Chine. En attendant, essayez de ne pas trop vous faire remarquer. Il faut s'en méfier comme de la peste. Oui, tout à fait. Dès que le cœur du dragon sera entre nos mains, nous l'éliminerons. J'y veillerai personnellement. Halt! Zurück zum Posten! Tout est en règle, vous pouvez y aller. Ce chemin conduit au téléphérique. Si je m'habille autrement, je pourrais peut-être faire un tour en nacelle. Ah ah! Et c'est là qui va s'habiller en colonel. Attends. Là, du coup, faut aller où? Peut-être des trucs ici. Non, même pas, y'a rien. Bon, on va se faire repérer par l'autre, sinon, ça sera bof. Ah, je me souviens que ce passage était pas facile. Mais vraiment pas simple. Surtout quand on se faisait repérer. Alors lui, il me suit du regard. Hein. Voilà, il me suit du regard alors que je suis derrière le mur. C'est magnifique. Mais il me voit pas. Il y a quand même des petits problèmes des fois. Oula, ils ont entendu la porte. Alors, il y en a un là. Y a personne à côté. Et on a un deuxième. Ouais. Bon, je vais quand même les faire vite fait. Il y en a un que je vais tuer au flingue. Ouais, c'est direct, hein. Et voilà. Ah, il s'est pris la table, donc il est mort direct. Voilà qui devrait égaliser nos chances. Parfait. Une petite mitrailleuse des familles. Un petit MP40. Ça fait toujours plaisir. On peut pas ouvrir cette porte, j'imagine. Ouais. Ça, c'est pour les renforts, je pense. Et là, on ressort d'ici, ok.
Mais la porte en dessous, elle mène à quoi? C'est un petit peu labyrinthique. Ah bah non, bah c'est aussi les renforts. Quand il n'y a pas de poignée comme ça, c'est... Sauf que d'un côté. Un peu style à la Resident Evil style, quoi. Une porte qui s'ouvre que d'un côté. C'est très logique. C'était vraiment bien pensé. Il va me suivre du regard. Attends, j'aurais voulu il a mis sa casquette trop... Ah non, c'était un bug de texture. Hop. Alors je suis très bruyant avec mon arme, mais bon. C'est Indiana Jones, donc bon. C'est pas non plus... un jeu d'infiltration, hein, donc. Ah, c'est ce passage qui m'a rendu chèvre. Là, faut vraiment faire gaffe à ce passage. Parce qu'il dure longtemps en plus. Ah, purée. Bon, il y en a un qui est bugué là. Faut apurer. Apurer. Bon, y'en a plus là. Je vais regarder ce que j'avais dans l'inventaire là, parce que je suis un peu dans la mouille. Éteint cette alarme. Qui m'a un petit peu énervé. Et oh, des grenades. Faudrait que j'évite d'exploser avec. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok. Munitions, medikit, j'en avais bien besoin. Alors, en fait, l'objectif c'est d'aller là-dedans, je me souviens. Là, normalement, on a une porte. On a un logo d'une porte, comme quoi on peut sortir du niveau. Sauf que là, on peut pas, parce que évidemment, c'est fermé. Mais on a quand même le logo, pour nous dire que c'est là qu'on doit partir. Heureusement que je me souviens de ça d'ailleurs. Faut juste ouvrir la grille. Voilà. Ah purée, vite. J'ai entendu des ennemis. C'est bon. Nickel. Voilà, c'était le passage un peu délicat. Enfin, ce passage-là est pas simple aussi, hein. Ah vraiment, c'est la base militaire, c'est là où le jeu il devient beaucoup plus sérieux. La place est prise. En termes de difficulté. Bon, c'est pour ça quand même qu'ils sont assez généreux au niveau des medikits. Hop. Enfin, pas non plus trop, hein, faut pas exagérer. Bon, ça va être un épisode qui va durer plus longtemps que d'habitude. Je pense, parce que c'était combien de 30 minutes qu'on avait fait pour la première partie du truc, avant la coupure. Oh. Boum. Ok, on peut rien faire avec ça. Y a rien à faire. Passer par là. Alors attention. Je me souvenais quand j'étais gosse, je
j'attendais vraiment patiemment que les ennemis passent, etc. J'étais à fond dans l'infiltration. Hein. Et d'un côté, je me disais, mais pourquoi on peut pas se mettre à plat ventre ou... Ouais, je ne sais pas. Tout simplement parce qu'Indiana Jones, c'est pas un jeu vraiment pensé pour l'infiltration. Même s'il y a une petite phase d'infiltration, là. Ouh là là. J'espère qu'il n'y a pas un autre à côté, c'est bon. C'est quand qu'il crève, lui? Merci. 5 HP. Les chauves, ils ont vraiment la tête dure. Ils n'ont pas besoin de casque. Alors, hop. Bon, ok, il m'a vu. Super. Boum, il s'est cassé le dos. Il paraît que les femmes adorent l'uniforme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour leur plaire? Voilà. Je peux prendre ça? Non. Je suis un colonel, ne m'attaquez pas. Bonjour. Ça va-t-il, ça va-tu? Ah oui, mais quand il y a l'alarme, on peut pas ouvrir la porte, je me souviens. Quoi? En tout cas, il m'attaque direct. Ah, c'est parce que j'ai couru. Mais non. Mais non. Voilà. Et crève! Purée! Ah, j'ai cru que ma dernière heure avait sonné. J'ai eu de la chance. Bon bah... J'en suis désolé, mais vous avez pas eu le droit au fameux... Salut nazi. Ah, il y a peut-être des trucs là-bas. Car oui, quand on quitte... quand on quitte sans faire de bruit... Enfin, sans activer l'alarme et sans être suspect, eh ben, le dernier soldat qu'on voyait, là, que j'ai tué, eh bien, il nous fait un salut nazi, à la fin. Voilà. Je me souviens de ça. Alors, ça fait des années, mais ça m'avait marqué. Il me semble, je sais pas, mais il me semble que dans la vidéo que j'avais faite en 2012, il me semble que j'avais réussi à faire ça. Ou 2013, peut-être, alors. Il faut aller où, là? Pouvoir passer par là-bas. Peut-être qu'on peut grimper directement par là. Il n'y a pas de requin ici, hein, donc ça va. En dessous du sous-marin. Il y a que dalle. Parce que j'aimerais quand même récupérer quelques medikits, quelques trucs. Ça, attends, j'ai qu'un medikit, non? Ah non, deux, ça va. Mais quand même, on n'est jamais trop prudent. Je sais même pas par où passer. Faut descendre de là. Ah oui, de là. Voilà. On a tout levé le secret. Elle est nickel. Bon. Ouais, elle est pleine. Gloire et fortune, me voilà. Bon, une connerie de cadeau. De trésor. De cadeau. Petit cadeau pour une. Ouais, faut aller où là? Allez. Ouais, mais je peux passer par là que si, ou quoi que. Non, en sautant ça passe pas. Ah, l'échelle.
Ouais, et là, on peut passer par là. Et c'est ici. Non ? Bah. Pourtant, je me souvenais que c'était ici. Ah, c'est où j'ai eu l'uniforme. Ah, ils essaient de faire des bruits, hein, des mécanismes. Ils montrent que c'est une espèce de je sais pas quoi là, une chaudière ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un vieux JPEG. Voilà. Mais il faut quand même bruitage, hein. Ils ont fait un petit effort. Attention, petit effort, hein. Contrairement à la grande évasion où là, tout était moche et. Et ça n'avait ni queue ni tête. Comme par exemple les miradors sans échelle, c'était magnifique. Comment les mecs, les gardes sur les miradors, comment ils peuvent descendre et aussi comment ils ont monté du coup. Enfin plutôt comment ils peuvent descendre, parce que peut-être il y a un mec qui a enlevé l'échelle après. Il y a toute une histoire là, attention. Alors, en fait ça n'a ni queue ni tête, faut pas chercher à comprendre. Les développeurs qui avaient zappé de mettre une échelle. Par contre je ne sais pas où aller. Pourtant c'était bien par là. Enfin, je me souviens qu'il y avait... Purée. Je me souviens qu'il y avait cette porte. Alors on peut même pas remonter par là. Quand même, les deux fois où je disais que c'était assez laborieux, eh bien, j'ai failli crever. Ah, voilà, faut passer par là. Revenir ici. Nous sommes à 53 FPS, on ne sait pas pourquoi. Ah, maintenant 60, c'est bon. Oui, il se fait pas mal au dos, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est énigmatique. Indy ne comprend pas ce qu'il faut faire. Il est un peu perdu. Il essaye malgré tout de trouver une solution, là. Peut-être qu'il y a un truc à changer là-bas. Peut-être revenir. Alors, je pense pas là où on était déjà allé. Ici. Bah ça sert à revenir ici quoi. Mais où est la porte finale ? Y'a rien à faire. Non. Pourtant j'ai enlevé l'alarme, donc normalement en temps normal j'aurais pu. Ah ! Ah maintenant là j'ai le levier, j'ai déjà bougé ça. On peut pas le re. Non on peut pas le rebouger. Ah voilà, là je repasse par là, ça sert à rien. Ou alors la porte est ici. Ah non, là, il n'y a pas de porte. C'est énigmatique. Revenir ici, il y a peut-être un truc là-dedans. Je ne pense pas, mais bon. Là, c'est où on a récupéré une connerie. C'est bizarre. Ah non, en temps normal, c'est la porte là-bas. En face, là. Pas la porte en face, je veux dire la porte en bas là. Ah, ou la porte. Je viens de comprendre. C'est la porte entrouverte plutôt là. Je sais pas, j'ai vu une porte entrouverte par là. Ou alors c'est juste ça là. C'est celle-là la porte entrouverte. Ah oui. Ça sert à rien. Bon.
Allez, vas-y. Ouvre la porte. Bordel, le fichtre. Pourquoi il veut pas? Je crois que le jeu a planté, en fait. C'est magique. J'ai envie de recharger. Tout le monde n'est pas allé ici pour rien. Ou alors en haut, il y a un truc en haut. C'est vrai que j'ai pas trop regardé en haut. Ah, c'est comme ça qu'on peut ouvrir la porte. Ah, je suis pas allé en haut. Il me semble pas. Je sais, voilà, on venait d'arriver ici. J'étais directement descendu. Voilà, il y a un truc. Je vais pouvoir franchir le contrôle. Ah, ok, bah là c'est logique. Il y a rien à faire. Ok. Ah, mais finalement, on va l'avoir notre salut nazi. Ah, le souvenir est plus très bien. Je vais pas non plus couper pour ça. Ah, le fameux salut nazi. Sergent, le colonel Siemens a besoin d'une estafette pour remettre un pli hautement confidentiel à Herr von Beck. Une moto vous attend. Prenez-la et direction le quartier général. Sergent, êtes-vous sûr de ne rien oublier? Allez, vite là. Dépêchez-vous. Il y a eu un bug quand il a dit Heil Hitler. Voilà, on a la bombe explosée avec. Et ils vont voir le corps par terre. Peut-être qu'il a disparu depuis. Hop. On va choper ça. Il n'y a rien dedans. Je marche tranquillement, pépère. Bon, je fouille juste un petit peu, les mecs. Ah, je peux pas prendre ce medikit. Bon, on va se soigner, et hop, voilà. C'est gratuit. Par où grimper déjà? Parce que je me souviens que c'est assez ascendant, on va monter. Je marche pour faire moins suspect. Parce que l'IA s'affole si je cours. Donc. Le problème c'est que c'est compliqué de pas courir. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Bon. On ne sait pas. Allez, le mec c'est juste pour grimper. Alors, juste pour grimper ça. Il t'a fait... Pendu, j'ai grimpé de 30 cm. Une rambarde de 30 cm, c'est compliqué. Où aller? Est-ce que là, on peut pas monter, je suppose, sur ces étagères, non? Ces étagères immenses, d'ailleurs. What? Enfin, quoique, après, on me dirait dans les Intermarchés, oui. Dans les stocks, c'est un peu ça. Oh. Bon, je vais ouvrir la porte, c'est peut-être là-dedans. Peut-être un levier. Alors, c'est vraiment ce truc-là? Ah oui, si. Ah. Attends, je rêve, vous. Attends, il y avait le logo en haut à droite. Ah mais c'est nouveau ça, maintenant le logo il s'affiche. Bon d'accord. C'est un bug de la version GOG Game. Au bout d'un moment le logo s'affiche, au bout de 70% du jeu. Merci. Tu pouvais pas t'afficher plus tôt là? Bordel!
Y'a rien derrière. Ah, faut monter là. J'aime bien cette phase, il y a pas mal de plateformes, il va y avoir pas mal de plateformes et c'est plutôt sympa. Mince. De grimper dans les conduits et tout. Je trouve ça assez stylé. Là dans les archives. Ils ont plein de documents maléfiques. Évidemment, hein, on est chez les nazis. Donc là, ça. J'ai cru que c'était une alarme avant. Doivent circuler dans toute la base. Ah oui. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Ah. Ah, c'est que c'est le vrai colonel. Hop. Ou alors, il a su que son collègue avait une autre tête que d'habitude. Voilà. En dessous d'en bas, ils vont pouvoir monter ou quoi ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de monter par là ? Je pense pas. Mais vont-ils pouvoir me toucher de loin ? Avec leur petit flingue ? Ça se peut. Bon, on y va quand même. Lost kill. Ah, là, attention. Hop. Et les petits pièges. Aïe ! Oh purée, ça fait mal. Attention. Oula, on se bug. Ok. Alors évidemment, il n'y avait pas de bug comme ça hein, dans le jeu de base. Il y avait quelques bugs des fois, mais pas des bugs comme ça. Là, c'est la fin si on tombe là-dedans. Ouf, c'est un skill. Joli. Il y a un mec qui était mort ici. Il voulait faire comme Indy. Sauf que lui, il s'en est pas sorti. Et oui, il cherchait aussi la perle de Kai ou je sais pas quoi. C'est un peu jazz là. Hein. Ouf. En plus, c'est bien rouge pour bien te dire attention, ne tombe pas, sinon tu vas chuter dans les enfers. J'ai un mauvais pressentiment. Tu vas chuter dans les enfers. Les profondeurs des enfers, voilà. Très bien. On va descendre ici. Très discret, évidemment. Y'a personne, c'est bon. Hop. Medikit encore. Et puis ils m'en donnent tout le temps des medikits. Je suis full life. Ah là, ils en donnent beaucoup, par contre. Ils sont trop généreux. Rien à faire. Bon. Et c'est là qu'on va se quitter parce que bon, ça fait une heure. C'est magnifique parce que là c'est 30 minutes. Dans cette deuxième partie, je me souviens que c'était à peu près 30 minutes. La première partie de la partie là, c'est compliqué. Donc voilà, cette partie 7, c'est la fin de cette partie 7. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour la partie 8.